Salut tout le monde, ici Kitty et Cléo qui vous souhaite la bienvenue pour le premier podcast des Unique Shippers. Et bien sûr, nous vous souhaitons une très bonne année 2018. D'accord, joyeux Noël? Non, chut. T'as le branche toi, tu veux souhaiter? Non, bonne année, c'est plus proche. Là, joyeux Noël, t'es trop dépassé, arrête, suis les modes, ok? Ok, ce que j'ai dit, ça n'a aucun rapport. Non, pas du tout. Starch. Bon. Fait ce que je m'en allais dire, ensuite de ça, c'est que nous sommes pas en direct. Mais j'imagine que vous l'aviez remarqué parce que vous êtes intelligent. Puis en plus de ça, vous nous regardez. Nous écoutez. Arrête. Arrête. C'est mal. Non, je pense que j'ai juste un rêve que vous nous regardiez un jour en live. Un jour. C'est peut-être pour ça. On va commencer par le début. On va commencer par le début, puis... avec un espoir très fort. Peut-être que nous allons y aller. Un espoir très fort, inconditionnel et... C'est quoi déjà ta phrase? Passion et détermination, mais ça fait pas... Passion et détermination, ça fait pas partout. Arrête de me voler mes phrases. OK. Fait que oui, c'est ça. Et une autre chose qu'il faut savoir, bon, pour ceux qui sont sur YouTube, vous aurez moins de problèmes. Ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez avoir des... si bout de quelques secondes, des fois, que ça va être un peu bizarre, mais c'est parce que ce Spreaker, l'application que nous utilisons pour enregistrer, marche par bloc de 15 minutes. Fait que ça fait que... Quand on est offline. C'est ça, quand on est offline. Fait que ça fait que il y a des petits bouts qui sont un peu bizarres. Dans le fond, qui manquent des démos et des paroles. Mais... Avec mon programme, ça devrait se régler, mais si vous entendez, vous vous posez la question, c'est juste pour ça, c'est à cause de Spreaker, comme elle dit, c'est des blocs de 15 minutes. Mais justement, ceux qui nous écoutent sur Spreaker, ben... Ouais, ça va être, il va falloir qu'ils téléchargent par partie, mais bon. C'est pour ça qu'on, ça nous a pris 50 ans à tout linker nos comptes, mais on a réussi. Yes, on sir, ça dit. Kiss-moi! My God. Sérieusement. On est vraiment déterminés, vous allez comprendre, on va se présenter un petit peu plus loin, vous allez comprendre le tout, le but du pourquoi. Mais ça fait quand même longtemps qu'on est sur le projet, là, comme vous avez pu comprendre, elle a souhaité une bonne année parce que c'est absolument qu'elle souhaite une bonne année. Mais ça on fait depuis le début de l'année scolaire. En septembre. Ben, pas depuis la rentrée. Septembre, octobre? Non, ben, je dirais plus fin septembre, début octobre que nous avons commencé à parler de ce projet. On a beaucoup travaillé dessus ces derniers mois, on a juste réenregistré ces parties-là au moins 50 fois, ce qui m'emmène sur le prochain point, les bloopers. Parce que oui, nous avons plusieurs running gags de déjà fait, parce qu'on a tellement réenregistré souvent que ça fait qu'il y a des blagues qui se sont embarquées, surtout que nous, puisqu'on n'a pas de vie, hein, faut le dire, on n'a juste pas de vie, nous enregistrons tard. Fait que ça fait qu'on est fatigué puis qu'on dit des fois des trucs qui ont juste aucun sens. Bien sûr, un jour, nous l'espérons encore là-dessus. Oui, j'aime dire espérer parce que c'est l'espoir qui fait vivre. C'est beau, hein, ce que je dis? D'accord. Oh my God. Ouais, fait que ça fait qu'on va sans doute les mettre un jour en ligne. Mais comme j'ai dit, c'est un jour. Puis là, je vais vous nommer les running gags parce que vous allez rien comprendre, c'est ça qui me fait rire. Bon. Justement, ça dit que... Bon, le premier, c'est avec passion et détermination. Mais en fait, ça, c'est ma phrase de commerce à moi. Je dis tout le temps ça, même si tout le monde comprend pas pourquoi je dis que c'est ma phrase de commerce. Mais bon, je vais vous expliquer une chose. Les youtubeurs, les influenceurs, toute cette parapluie de gens low beard. Bon, ce soit pas weird, je les adore, puis je les suis de partout, hein. On va se le dire. Ils se font vendre. Ben, c'est ça. Moi, je fais la même affaire, même si j'ai aucun rapport dans ces choses-là. Mais bon, c'est pas grave, je vis ma vie. Avec passion et détermination. Le deuxième running gag, c'est le ASMR. Mais bon, ça, j'imagine... Il y en a sans doute qui savent c'est quoi. Pour ceux qui savent pas, ben allez regarder sur YouTube et sur Internet, parce que là, si je commence à vous expliquer c'est quoi... Non, pense... please, don't even start. Please. J'ai juste à regarder le micro. C'est ça, le fait. Peut-être, oui, je pense que t'as raison. Un jour, on va probablement se filmer, ça devrait être. Parce que vous la voyez pas en ce moment, mais tout son non-verbal, ses yeux parlent. Regarde le micro, on va prendre le crayon, pis ça va être fini. Oui, parce que, ça serait de virer un autre running gag. Passe-moi le crayon, je vais l'acheter.
L'asphalte. Ouais, mais ça fait longtemps, en fait, que je fais ça. Je sais pas, j'ai comme une manie de faire clic-clic avec les crayons, pis c'est chiant, mais bon, je fais pareil. Pas du tout rapport avec ton machin. J'aime faire chier le monde. Ok, chut. D'accord. Mais là, je suis pas pour raconter l'ASMR, t'aimes pas ça quand j'entends. T'es même pas rien de le dire, parce qu'elle, elle appelle ASMR. c'est wouh! Fait que c'est ça. Bon, le troisième. Ah non, c'est pas troisième, parce que le crayon s'en compte au troisième. Fait que, bon, notre prochain running gag, c'est Peter est un enfoiré. Puis là, on va le dire, je la connais. Peter n'est pas un enfoiré, mais c'est une blague qu'on a en cause que vous allez comprendre. Ouais, vous allez juste comprendre plus tard. Je vous laisse. Ben, on peut faire un inside, par rapport, au prochain podcast que on avait déjà enregistré, qu'on va vous laisser probablement peut-être aussi dans les, bloopers. Il va y avoir des invités qu'on va mentionner après. Mais c'est pas dans le prochain, techniquement, c'est l'autre d'après. Le bloopers, on le mettra pas tout de suite. Non. Mais quand on avait enregistré à l'époque, on est venu faire, Il y a quelques mois. Avec une de ses amies. Il arrêtait pas de dire pour me faire rire. Non, parce que je la trouve pas drôle, j'adore Peter. Pour l'énerver d'abord. Pour m'énerver. Parce... Peter, c'est un enfoiré. Mais il y en avait deux autres aussi qu'on disait avec elle. Marie-Pierre, allô? Salut Marie! Il y en a une, en fait, c'est elle qui a fait, parce que Peter est un enfoiré, c'est moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, j'ai vraiment juste dit ça à mon nez de Noël. Pour me faire chier, pis ça fonctionne. Ben, c'est pas vraiment pour ça. J'ai juste vraiment dit ça de même. Mais... L'autre, c'est Jackson, elle est les manchants. Ça, c'est elle qui dit ça. Puis on l'a dit au moins, genre, 50 fois depuis. Et l'autre aussi, c'est Say Hi Girl, Hi! Puis on trouve ça tellement drôle parce que c'est drôle. Et sinon, l'autre running gag, c'est Je m'aime. Parce que moi, je dis tout le temps que je m'aime. Parce que c'est vrai. De toute façon, c'est mieux de dire qu'on s'aime qu'on s'aille. Hein. Tu vois? Je fais de la philosophie. D'accord. Ça fait du bien d'en parler? Oui, ça fait du bien. le prochain. C'est « Je vais me souhaiter! » Si vous connaissez Rachid Badouri, vous êtes des vrais. Bon, en fait, ça veut juste dire que vous êtes des Québécois. Non, il y a une carrière en France. Ouais, une carrière en France. Ah, il commence aux États-Unis, je pense aussi. Oh, c'est plus Mike Brown, aux États-Unis. En tout cas, mais oui. Non, c'est vrai, pas encore USA. Un jour, peut-être, je sais pas. Mais oui, vous avez sans doute peut-être vu un de ces numbers-là. Puis c'est très drôle. Puis, là, depuis que je l'ai écouté dernièrement, j'arrête pas de le dire. Puis ma mère veut me souhaiter elle-même. Ah, c'est l'enfer. Je me demande sérieusement, en tout cas, s'il y a des amis de ma fille qui nous écoutent présentement, sérieusement, je sais pas comment vous faites pour l'endurer. Hey, je suis pas si fille que ça. Non, mais t'arrêtes pas de dire que t'es foutu au running gag, parce que c'est ça. Et comme vous avez pu comprendre, puis ça fait longtemps qu'on est enregistré et on enregistre et on enregistre. Fait que c'est amis, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui sont au courant que ça fait longtemps qu'on a entamé le projet. Ouais. Puis elle a même ce running gag-là à l'école. Et elle arrive le soir, elle m'en parle, puis je suis là, my god, j'essaie de me mettre dans la peau de ses amis. Je suis juste découragée de la vie. Sincèrement, je suis sûre que mes profs ont peur de moi. Juste parce que, mettons, on va faire une story time vite, même s'il y en a une dans pas long. On va y aller vite. J'étais en cours d'histoire. Puis là, je regardais mon amie Myriam. Ah! OK, fait que c'est ça. Puis, j'ai dit en langage des signes que j'aimais. Puis là, elle m'a regardée avec un regard qui voulait tout dire. Fait que oui, mes amis me jugent. Mais moi, je m'aime plus que je peux aimer les autres. Fait que ça. Puis les autres que tu comptais tantôt avec... Ben là, je commencerai pas à faire avec Marie. Ben Marie, je fais juste me foutre de sa gueule à chaque fois, parce que là, c'est « Hi, girl », c'est mon mari qui dit, puis là « Hi », c'est elle. Puis elle a tellement juste dit de façon bizarre. On sait quasiment qu'elle s'en allait pleurer quand elle disait, je sais pas. Ah, mec, Ariel, je pense que je vais le faire juste avant qu'on mette le bloopers, sérieusement. Mais là, on va le mettre, puis je vois rien, j'en sais ça. On sera pas capable de le faire. Mais là, on peut pas le mettre dans le podcast, parce qu'elle va venir le say hi girl, parce qu'on va juste partir à rien. Fait que, oubliez-le. Mais vous allez le voir dans les bloopers, c'est juste moi. Puis aussi, il y en a deux autres. Le prochain qui est, c'est le pilote, parce que nous, on met pour le premier, Tu l'avais pas dit tantôt, je pense que tu Non, je l'ai pas mis. C'est parce qu'on dit, vous l'avez tellement dit souvent, je pense qu'il m'a ancré dans la tête. Ça, c'est l'enfer. Non, mais c'est parce que, dans le premier, tu sais, on s'entend qu'il y a le premier épisode, là, De Teen Wolf? C'est, ouais, de Teen Wolf. C'est ça. C'est le pilote.
Fait que, pis l'autre, le dernier, c'est la faute à Jeff, parce qu'on met tout le temps tout sous le dos à Jeff, parce que Jeff, c'est Jeff. Pis on tient à préciser, on parle pas du mari à côté. Non, on parle de Jeff Davis, en tout cas, je vais me l'affirmer avant que je dise quelque chose que je vais regretter. Ben non, je la regretterai pas, parce que je vais sûrement... Tout au long, vous allez comprendre à quel point... Mais elle l'aime pas. Elle l'aime pas apprécier. Comme ben du monde, ok? Je ne suis pas la seule. Ah, elle chiale! Sérieusement, je suis certaine qu'il y aurait eu... un concours, ok? Qui aurait été sur le net. Moi, je pense à ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui en ont pensé, honnêtement, là. Un concours, je sais pas moi, écrivez, scénarisez un épisode, puis on va prendre le meilleur. C'est sûr et certain qu'il y en a le trois quarts du fandom qui écrit, il y aurait justement délivré un épisode qui était vraiment au-dessus de la barre de ce que Jeff peut écrire, parce que, excuse-moi, là, mais le trois quarts des épisodes, ils ont ni queue ni tête, des fois ça revient... En tout cas, je commencerai pas là, parce que c'est ça le but du podcast, en fait. On va passer des épisodes. Bon, elle va juste chialer après eux, puis moi, je vais juste faire calme-toi. Mm-hmm. Puis je vais dire des niaiseries, parce que c'est mon rôle. Oui, dans le fond, le but de la chose, c'est la vie de l'adulte versus l'adolescente, et pourquoi ne pas faire ça avec ma fille? Hum? Qui me... contredit à deux secondes. Mais bon. T'es pas mieux. Je sais, je m'assume. D'accord. Donc, t'es fini avec tes bloopers, c'est bon? Oui, on peut passer au prochain point. Au prochain point que je vais parler juste de nos comptes, parce que ça sera peut-être important que les gens parlé des comptes? Non, on les a pas parlé. T'as passé par-dessus, mais c'est correct. T'étais tellement bien parti sur tes bloopers que je t'ai laissé faire. On n'a pas parlé des comptes. Non, on va s'astiner longtemps, voyez-vous, guys. C'est ça le but, c'est comme ça que je vis avec ma fille, c'est s'astiner aux 30 secondes. T'as pas donné les noms? Bon, ben si on l'a déjà dit, vous nous direz en commentaire. Non, sérieusement, je sais que je t'ai pas dit. Mais c'est ça, t'étais trop partie sur tes bloopers, fait que je t'ai laissé faire. Ben, on va vous donner d'abord nos pseudos, si on peut dire ça. Oui, mes pseudos, dans le fond, vous allez pouvoir nous suivre. C'est sûr que sur toutes nos descriptions, on les a, mais on va probablement vous les redire... pareil. Pareil, oui, c'est ça. Au moins au début pour que vous puissiez voir. Donc, qu'est-ce que s'agit de la chaîne YouTube, Instagram et Tumblr? Nous sommes sur le nom de Unique Shippers 3141. Ainsi que sur le compte Spreaker, si vous voulez vous en ouvrir un. Mais, pratiquement sûr, là, c'est sûr moi que je suis présentement abonnée pour que je puisse vous délivrer les podcasts. Mais je suis pratiquement certaine que vous n'avez pas besoin de vous ouvrir un compte pour aller chercher le téléchargement pardon de nos podcasts. Ensuite, nous avons, c'est quoi déjà? Oui, Twitter, qui est assez important. celui-là, c'est le nom de Unique Ship 3141. Et j'ai aussi mis un lien sur AO3 et sur Wattpad parce que, oui, j'écris. Bon, j'ai pas eu le temps de toutes les publier encore, mais vous y jetez un petit coup d'œil au nom de Kili3141 parce que au fil des podcasts, c'est sûr que ça va probablement nous arriver peut-être d'en parler. Ouais, une fois de temps en temps, parce que c'est sûr que ma fille et moi, on est assez actives, au moins entre ma fille elle vit beaucoup. On est actifs tout court sur les réseaux sociaux, puis on est très actives aussi sur. On essaie. Ouais, on essaie, là. Dans notre vie chargée. Dans notre vie chargée. Je suis sûre que j'appelle ça. On est des célébrités pour ça. Faut pas t'exagérer. Le monde nous court après. On a plein de paparazzi qui nous courent. Ça, c'était le... Là, tu reviens encore avec l'histoire de l'autobus. Ça vient pas, ça. T'as ça, t'as passé ou quoi? Je sais pas de quoi elle parle, c'est bizarre. Quand Marie est venue... Marie, pas son amie. Marie, ma cousine, en passant, je vais vous en parler. Salut, Marie! D'accord, parce qu'elle a dit quoi? Non, l'autre jour, quand elle est venue, elle t'a parlé, on t'a parlé de la blague. Ok, ça part à part, mais bon. Ah oui, d'accord, nous, on sait de quoi on parle, c'est pas grave. Ça part à part, pas story tout. Time! Non, c'est okay. Non, pas story time. Elle va nous tuer. Mais. Non, c'est juste très drôle. En gros, on va juste dire, en gros, ma mère se prenait pour une célébrité quand elle était jeune. Pas pour toutes? Oui. Hey, c'est toi, eux qui t'ont foutu sur son, là. Ferme ta gueule. Ils comprendront vraiment, vraiment. Un jour, okay. Vous le raconterez.
C'est un fait, d'accord, un jour. Anyway. Blague à part. Anyway. Bon. En venir à cette merveilleuse personne qui parle depuis tout à l'heure. Et qui est très narcissique, je tenais à le préciser. Est-ce que tu te crois, moi, quand tu parles? Oui, regarde, okay. Professionnel. Très professionnel. D'accord. Puis je suis incroyable. C'est bien que tu penses. Chut. Je suis incroyable. Je suis tannée de te casser le doigt. Bon, première chose à savoir sur moi. J'aime la vie, ok? J'aime ça. Je vais faire pas te casser le doigt. Deuxième chose à savoir sur moi. J'ai 15 ans. C'est pas du tout pertinent, mais ça fait du contenu. Ok? Tu me juges? Tu veux te battre? C'est pas vrai, je suis trop gentille pour ça. Et je suis tellement belle. Ok, non, c'est vrai. Troisième chose à savoir sur moi. Je suis rendue au niveau 9 dans les Sims. Oh non! J'aime les Sims. Ça fait même pas une semaine que je joue à ça, ok? C'est rendu intense. Je pense que j'ai influencé tout le monde autour de moi. Mais. Pas moi. Non, pas toi encore. Ça va venir. Pas de chance. Ça va être dans tes rêves. Justement. C'est bon, ça marche. Arrête. Vous voyez à quel point elle est méchante? My god, on n'a pas le même. Tu veux quand je te prête un dictionnaire? On va aller chercher le mot méchant. Ok, passe-moi un dictionnaire. Allez, allez, allez. Okay, go ahead. Arrête. Chut. Bon. Fait que tout ça pour en venir, au fond, je suis une personne très motivée, déterminée et très occupée. Vraiment. Très occupée. Ça, je peux pas te contredire. Arrête de me couper, ok? C'est moi qui te coupe, pas toi. Pas oh, le contraire. Oui. C'est moi l'adolescente pis toi l'adulte. Des fois, je m'attends. C'est pas grave. T'es vraiment dado? Oui. Ok. Oui. Je tiens à le préciser. Fait que oui, je suis quelqu'un de très occupé. Ce qui en vient au fait que j'écris, que je fais 50 affaires en même temps, puis que j'ai pas de vie, puis que je dors plus, puis que j'ai plus de vie sociale. Bon, en fait, oui, parce que la plupart de mes activités sont tour entre les études puis de vie sociale. Fait que dans le fond, j'ai juste plus de sommeil. C'est à cause de toi! Je suis en train de virer comme toi, je dors plus. Pauvre chouette! Chut! Fait que oui, j'écris. Là, je faisais de la danse, mais je tiens à recommencer. Parce que, pourquoi ne pas rajouter une activité de plus dans toutes ces choses? Je suis tellement déterminée dans la vie. Et je suis tellement parfaite. Fait que oui. Puis sinon, je m'entraîne. Je fais de la musique. Comme par exemple, j'ai l'orchestre à mon école dans laquelle je suis. Et je fais beaucoup de festivals à cause de ça, ce qui fait que... Pas pertinent, mais c'est correct. C'est pas pertinent, mais c'est pas grave. Au moins, ça dit que mes midis, ben, je passe mes midis à faire de la guitare. Puis sinon, j'ai un bel. C'est aussi spécifique, pertinent, mais je n'ai pas le dire, parce que c'est cool d'être un bel, ok? J'aime le house. Ok, non, j'aime ça jouer à la Barbie, c'est tellement imbécile. Il y a plein de filles à mon école qui sont comme ça, genre, ils font « Hello tout le monde! Je suis bien sûr ça! » Ce serait drôle qu'il y en ait qui regardent ça et qu'ils disent que je veux qu'ils se reconnaissent. Peut-être que ça va faire réaliser quelque chose. Je sais pas, en tout cas. Sinon, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je tenais à le préciser, ça aussi. Je suis Instagram, Snapchat, YouTube, Tumblr, etc. Fait que si vous me cherchez, c'est L-E-K-1. Puis si vous savez pas comment ça s'écrit, ben c'est A-I-L-E-L-K-1. Voilà. Vous êtes intelligents, vous allez vous débrouiller, je sais. Puis vous feriez mieux d'aller me suivre. OK? D'accord. Je suis populaire, je suis une célébrité. Mouvement de cheveux! Fait que oui, pis sinon, ben oui, en tout cas, si je suis sur les réseaux sociaux pis que je suis aussi active, c'est bien sûr pour regarder toutes ces célébrités que je stalk 24 heures sur 24. Bon, c'est pas vrai, là, j'exagère un peu, là, mais c'est juste quand même... Juste un petit peu. Ma mère est pire que moi. Non! Oui, oui, vraiment! Moi, je me tiens vraiment. Au courant des nouvelles. Hey, je me tiens au courant des nouvelles, c'est pas pareil. Ouais, vous allez voir tantôt de quoi elle parle, puis vous allez vous rendre compte que peut-être pas aller loin dans ses recherches. C'est un passant sérieux, le matin, je me lève, ça fait ma journée quelque chose. Mais bon, oui, c'est vrai, on va en parler plus tard. Ouais, mais là, avec tout ça, c'est bien beau, band de musique, je pense qu'ils ont compris le principe, là. Mais tu sautes un peu des étapes. Parce que, il faut avoir un début avant d'avoir une fin. Malgré que, je suis pas vraiment le bon exemple, parce que je fais juste des fins, pas de début, mais c'est correct. Bon, ben, on va faire une story time, alors! Story time! Fait
Fait qu'un jour, où le ciel était bleu, et où les oiseaux chantaient et se faisaient électrocuter parce que les niaiseux, ils débarquent sur des estis de fils électriques, puis que moi, je choisissais mon linge dans une de mes 3000 garde-robes, parce que oui, j'ai plusieurs garde-robes chez lui, eh bien, arrête de me couper. Ben, je vivais ma vie avec passion et détermination. Non, c'est pas rien. Je suis juste exagérée. En fait, c'est pas une story time. Là. C'est juste, en gros, au primaire, j'écrivais beaucoup, mais j'écrivais plus de la poésie. J'étais pas comme ma mère, tu sais, mettons, elle, à l'âge que moi, j'écrivais de la poésie, ben, c'était des histoires. Des histoires. On en reviendra après. Fait que c'était un peu mes débuts, dans le fond, là-dedans. Mais on peut s'entendre que c'est vrai qu'une jeune qui écrit de la poésie, comme à 9-10 ans, c'est un... En tout cas, bref. Moi, je sais qu'est-ce que... Faut commencer quelque part, je disais. C'était mes débuts. Ensuite, j'étais arrivée au secondaire. Puis en secondaire 1, j'ai découvert le livre After, grâce à mes amis. Puis je me demandais de After, dans le fond, d'où ça venait. Puis j'ai compris que ça venait de Wattpad. Fait que j'ai commencé à aller là-dessus. Puis puisque ma mère, c'était une stalker, puis qu'elle voulait tout savoir. Non, c'est pas... J'exagère, là, mais... Avec raison, excuse-moi, mais tu vas peut-être écrire... Tu vas peut-être lire, quoi, les trois premières lignes, puis j'ai déjà capoté. Ouais, vraiment. Mais After, dans le fond, c'est... Pour ceux qui savent pas, ben... Bon, je veux pas aller vous faire chercher Internet pour une fois. Mais c'est... en gros, c'est Fifty Shades en moins pire, mettons. Plus pour adolescents. Ouais, c'est ça. Version ado. Ouais, version ado. Mais c'était... Des fois, je me demande si c'est vraiment une version ado. OK. Exagère pas. Mais c'est ça, elle a lu ça, puis ça a fait que toutes les deux, on a commencé à aller sur Wattpad. Moi, je lisais plus au départ, mais je pense que ça l'a comme fait un peu popper quelque chose, si on peut dire ça de même. Toi, t'aimes tellement ce mot-là, en plus popper, là. C'est tandis que tu m'influences. En tout cas, fait que je lisais plus, comparé qu'elle écrivait tout le temps. 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est-tu le petit insight pour dire que je peux commencer parce que t'arrêtes pas de parler? Non. OK. Fait qu'après avoir commencé à lire, autant j'ai fini par écrire moi aussi, puisque c'est faire comme tout le monde, c'est intéressant. Non, je fais pas comme tout le monde, mais j'écris parce que j'aime ça moi aussi. Fait que j'ai commencé à écrire une vie nouvelle, une fanfiction sur Twilight. Puis maintenant, je bosse sur des histoires un peu carrément dans l'opposé de ce que je faisais au début. C'est vraiment pas moi. Non, moi c'est plus je suis comme rendue en science-fiction là, c'est ben un peu dans le fond le monde je sais pas apocalypse, ce genre de choses là, c'est carrément le contraire. En tout cas, pour en venir mettons à ma mère, à toi petite mademoiselle. Ah, thank you. It was about time. You want me to talk? Shut up. Non, OK, sérieusement. Pour ma part, commencer. Je commence par où? Je sais vraiment pas. Commence. Ben, en fait, 9, 10 ans, 10, 11 ans, c'est à peu près à l'âge que j'ai commencé à écrire. Honnêtement, je dis toujours que je me sens vieille, là, mais je suis pas si vieille que ça. Non, c'est jeune. Mais j'ai commencé assez tôt. Puis, en fait, l'écriture est venue d'une autre idée de départ. Ça, par exemple, j'avoue que c'était un petit peu loin dans ma tête, j'en ai discuté, puis on n'arrive pas à savoir encore d'où c'est parti, mais bon, c'est grave. Donc, je vais introduire la cousine que j'avais parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est à partir de elle, on avait eu une idée qu'on voulait faire comme tout le monde. Dans le fond, le fanfiction existe depuis quelques années maintenant. Des lustres. Des millénaires. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. On n'avait pas Internet, on n'avait pas autant d'outils. Pour pouvoir, dans le fond, vivre nos passions, les personnages, peu importe les personnes qu'on aimait dans le temps. En général, le monde écrivait, mais nous, on a fait ça de façon un petit peu orthodoxe, comme on peut dire. Nous, en fait, c'était au téléphone. On appelait ça de l'improvisation, parce que c'est carrément ça. Moi, j'étais plus du genre à partir sur une idée, lancer une idée au hasard, puis là, je vais partir à rire parce que je vais dire les mots, ça part bien. Aussi stupide que pot de fleurs, spatule, cuillère, écoute, des mots qui avaient ni queue ni tête, mais elle avait la capacité de dire « OK, c'est beau, j'ai le mot, puis là, je pars une histoire. » C'était vraiment incroyable, honnêtement, je lève mon chapeau. Puis, en fait, vu que c'était comme de l'improvisation au téléphone, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'elle faisait parler plusieurs personnages, en fait, tous les autres personnages. Puis moi, je faisais parler la mienne, de Block Kitty, d'ailleurs, qui est le surnom du personnage que je faisais parler. Que j'avoue, au fil des années, je pense inconsciemment, je me suis identifiée de plus en plus à elle pour m'en devenir quasiment elle. Puis, on a fait ça quand même pendant des années.
Puis, toujours du même procédé, moi, qu'est-ce que je faisais après coup? Parce que dans le fond, je veux pas dire que c'était quand chaque histoire était la journée typique, mettons, d'un de nos personnages, puis là, il arrivait des affaires, etc. Mais on disait toujours, bon, OK, il se lève, puis là, bon, on parle d'histoire, puis là, à un moment donné, quand on savait plus quoi dire, on disait, bon, OK, ben, je sais plus quoi dire, là, fait que, il se couche, puis c'est fini, là. C'était toujours notre début, puis nos fins. Mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je reprenais l'idée, je faisais, mettons, la correction, puis je la réécrivais avec mes propres idées. C'est sûr que je changeais des choses. On dit toujours que les points de vue sont un petit peu différents. Puis, comme c'est ça, comme j'ai dit, j'ai fait ça pendant des années. Au fil du temps aussi, qu'est-ce qui est arrivé, comme ma fille, on a eu d'autres champs, d'autres passions, en fait. C'était le temps des groupes back in time, La donc danse. la danse, la musique. On a eu même un groupe, on s'est quand même pas mal investi, on a fait des photos, on a eu Vous êtes même rendu un loin. engin. De là la joke de tantôt de l'autobus là. On la rencontre. Allez, on la rencontre. Oh non, please, c'est vraiment stupide. Dans le fond, on avait fait une séance de photos avec les filles avec qui qu'on chantait. Puis, ça, je pense qu'on l'a mentionné, nous, on vit à Montréal. Puis, on a fait ça dans le centre-ville. Dans le fond, pour ceux qui connaissent pas le centre-ville, c'est vraiment le côté huppé de la ville. Puis, quelques jours après, on s'en allait, je sais plus trop où, en fait. Puis, on a pris le transport en commun. Puis, nowhere comme ça, quand on est rentré dans le transport, il y a des filles probablement qui nous ont reconnues. Puis là, vraiment, ils ont sorti. J'avoue que je suis un petit peu la bête, là. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre des photos, là. On s'entend, là, c'est pas quelque chose. On n'avait même pas le gros photographe du siècle à ce moment-là. Puis les filles disent « Ah, oh, c'est les filles du couple, là! » Puis ils arrivent de l'Europe, maman. On n'arrivait pas prendre toutes de l'Europe. Puis ça avait ni queue ni tête, parce que de toute façon, on est à Montréal. C'est quoi le rapport? On arrive de l'Europe, on s'en va dans un transport commun, dans un quartier nowhere, dans le fin fond de la ville. Ça avait, en tout cas, ça leur restait. Puis quand on en parle, on en rit encore beaucoup, mais bon. Parce qu'elle faisait sa petite Petite tranche de vie. crédibilité. Ah! We're not. Avait tout le On temps. était jeunes, on était jeunes, puis on voulait faire, on voulait réaliser un rêve qui n'a pas vraiment fonctionné, mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience de la vie. Puis comme ma fille a dit, ben moi aussi j'ai fait partie de la musique, je suis une musicienne assez versatile. Malheureusement, ma santé fait en sorte aujourd'hui que je peux plus jouer autant que je veux. Ben, Mais tu j'ai. jouais plus de guitare, maintenant tu joues plus de piano. Oui, mais ben, en voulant dire, je peux pas m'en faire à tous les jours, malheureusement. Mais pareil. C'est juste pour dire que j'ai quand même eu d'autres passions quand même que l'écriture. Jusqu'au moment où ce qui arrive, c'est que on tombe enceinte, on doit mettre Oui, cette malheureusement. merveilleuse personne. Ah oh, oui. Non, mais ben, ça pour dire que j'ai dû mettre quelques petites passions de côté. C'est sûr, on doit travailler, on vieillit. Fait que je suis rentrée dans le domaine de la santé, que je ne regrette pas. Mais il est arrivé un jour, un moment de la vie, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Puis ça allait pas nécessairement bien dans ma vie à ce moment-là. Mais un soir comme ça, je suis en train de faire le ménage de mon garde-robe. Donc surtout, vous posez pas la question pourquoi, j'en ai aucune idée pourquoi je faisais du ménage à 11 h le soir dans un foutu garde-robe, mais c'est ce qui est arrivé pareil. Puis étant donné que je suis tellement une personne qui s'enferme d'un pied à toutes les 2 secondes, c'est l'enfer, on dit que je suis gaffeuse, qu'il a fallu que je tombe dans mon garde-robe la tête première dans une boîte. C'est de toute beauté. Ça avait, si il y a quelqu'un qui m'aurait filmé, je pense que j'aurais fait d'autres vidéos, j'aurais gagné quelque chose. Mais tout ça pour dire que je suis tombée sur une boîte. Puis, je me souvenais même pas qu'elle était là, je vais dire honnêtement. Puis, quand j'ai ouvert, j'ai découvert toutes les histoires que j'avais écrites depuis l'âge de 10 ans, en fait. Puis, curieuse, on s'entend toujours, j'ai pris le premier cahier que j'ai vu sous les yeux. Puis, j'ai lu une phrase qu'un de nos personnages, que le charmant Bibou, qu'on me surnommait, parlait à propos du destin, en fait, en gros, qui dit « on est socialement du destin ». Puis, ça a fait comme un pop dans ma tête. Je me suis assise à ma table de cuisine, puis j'ai écrit une histoire qui s'appelle la perte de mémoire, que ça fait 20 ans que je travaille en passant cette histoire-là. M'emmener un jour, je vais réussir à la fenêtre. Mais tout ça pour dire que j'ai écrit 600 pages en ligne, puis ça m'a fait réaliser qu'il ne faut pas abandonner.
Puis en fait, rendu au matin, ben l'histoire n'était pas tout à fait finie, mais tout ça pour dire que j'ai fait un ménage carré de ma vie. Puis j'ai plus jamais arrêté d'écrire depuis ce temps-là. Si vous saviez le nombre de feuilles qu'il y a partout dans mon salon, dans ma cuisine, c'est un vrai bordel, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est ma façon à moi, la bonne vieille technique de l'écriture du papier et du crayon. Puis en fait, j'en suis très fière. Puis, tout ça pour dire que je pense que ma fille, elle a mentionné tantôt, elle m'avait découvert le Wattpad, oui, ok, le livre. Comme tout le monde, c'est sûr que j'ai piqué ma curiosité. Je me suis rendu compte que finalement, fanfiction, c'est ce que, probablement, ce que moi, je faisais dans le temps avec ma cousine. Mais bon, que version améliorée, avec plus de soi, j'étais vraiment fascinée par ça. Fait que c'est sûr que j'ai commencé, à lire à toutes les 30 secondes toutes les histoires que je pouvais, puis ça m'a surpris à quel point le monde a énormément du talent. Puis entre ça, j'ai fait la découverte de Vamp Academy. J'avais lu le livre parce que je suis comme ma fille, dans le fond, je lis tout ce qui me tombe sur la main. Puis ça m'a donné l'idée, en fait, reliée à Wattpad, de faire la version de Dimitri, pour ceux qui connaissent les personnages de Dimitri et Rosa. Normalement, l'écrivaine, elle a parti l'histoire sur le point de vue de Rosa, puis moi, il y a toujours, je sais pas pourquoi, là, mais il faut toujours que je tombe sous le charme des personnages qui n'ont vraiment pas rapport, qui sont plus underground. Fait qu'évidemment, Dimitri m'a tombé dans l'œil. Puis, je travaille encore dessus finalement, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir essayer de rentrer dans la tête de l'auteur, puis de pouvoir sortir mes propres idées en tentant en même temps de rester le contenu le plus véridique possible. Puis après coup, ben c'est sûr, le Teen Wolf a vu le jour. Après ça, il y a eu Shadowhunter. C'est sûr que avec la curiosité qu'il y a, ben, je commençais à être plus active sur les réseaux sociaux. Je commençais à m'ouvrir mes comptes, à regarder. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement justement Wattpad, parce que je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je pense souvent, je m'excuse en passant si je parle français à l'anglais. C'est vraiment instinctif, oui, je sais, je m'excuse. Mais c'est ça, j'ai pas de problème au niveau de la langue anglaise. Fait que j'ai découvert fanfiction, puis j'ai découvert AO3, puis mon Dieu Seigneur, AO3, c'est vraiment ma vie. Et, non, c'est vrai, je suis toujours dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai vu encore plus d'histoires au niveau de Teen Wolf et de Starek en particulier, parce que Starek, c'est ça. Non, c'est ne toi, là, oui, c'est ça, ne dis rien. Mais... en fait, oui, il y a Starek, il y a Malek, il y a Saphaël, je peux l'endormir jusqu'au lendemain matin. Ça pour dire, oui, mais je trouve ça intéressant, dans le fond, de pouvoir, je trouve ça le fun de pouvoir créer, d'histoires à partir de rien. Dans le fond, oui, les séries sont là, oui, les livres ont été là, mais, de pouvoir avoir nos propres idées, de pouvoir les livrer, puis moi, c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est de pouvoir mettre, des visages sur les personnages. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment plus facile, parce que moi, dans le fond, mon gros problème quand j'écris, c'est souvent la description du jury, parce que je suis vraiment, vraiment bonne au niveau des conversations, mais quand il vient des fois à l'écrire, je trouve ça long puis plate, puis moi, je veux rentrer dans le vif du sujet, puis le monde, ça, souvent sur mes fans, les personnes qui me suivent sur AO3 puis sur Wattpad, ça me demande cool. Donc, tu vas-tu finir par le publier? Oui, je le sais, je perfectionne. Je suis toujours en train de, faire ma correction. Mais en fait, en fond, mon gros problème, c'est que souvent, il y a une idée qui me pop-up, puis je vois une image, puis là, il y a quelque chose qui me sort, puis il faut que je l'écrive, mais c'est souvent genre le milieu, le problème qui va arriver. Puis là, ben, je continue. Fait, finalement, j'arrive à la fin. Puis là, je m'en vais me coucher là-dessus, puis le lendemain, je me réveille parce que j'ai rêvé à ce que j'écrivais, puis là, je dis, oh non, ça serait mieux que le personnage le tourne, tourne la tête à droite plutôt qu'à gauche, puis qu'il dit ça au lieu de ça. Fait que là, je me retrouve avec 8 milieux, 50 fins, parce que j'ai eu les fins, puis j'ai l'impression d'abandonner le personnage. Fait que j'ai eu ça. Après ça, je m'assieds, puis j'ai l'air d'une vraie débile parce que j'ai pas de début. Fait que là, ça me prend 10 ans pour le début. Mais c'est désespérant, là. Mais intense. Mais moi, mon problème, c'est le contraire. Je te trouve tout le début, tout le milieu, toutes les péripéties, puis moi, c'est la fin. Bon, ben, comment je pourrais faire une fin? Je pourrais toutes les tuer, ce serait moins compliqué, sincèrement. Non, j'ai pas de problème, en fait. Les fins, c'est vraiment d'avoir l'impression d'abandonner les personnages. C'est pour ça aussi que j'adore autant les séries.
plutôt qu'un film, puis je pense qu'on est plusieurs à préférer ça. C'est plus long, plus de détails. On n'a pas besoin d'abandonner. On sait qu'on n'abandonnera pas les personnages après 1h30, 2h de film, parce qu'à ça, en général, les films qui ont 2h, 2h30 facilement. Mais tout ça pour dire, au moins une série, ça dure, oui, l'attente est longue pour avoir la saison suivante, ce qui est bien chiant. Mais au moins, on sait qu'on va avoir quelque chose de surplus. Puis justement, les personnages, des fois, dans les livres ou peu importe, qui sont moins détaillés, on a la chance de plus les connaître à ce moment-là, ou si on entend que si l'auteur sort un autre livre par rapport à ça, ou le personnage en tant que tel, parce que les fans ont dit, on veut que tu parles un peu plus de celui-là, d'accord. Mais en général, au moins, les séries, on a la chance de pouvoir vivre avec eux un peu plus longtemps. De là, c'est Derek. C'est un support visuel, aussi. Hein? C'est un support visuel, aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, juste pour vous donner une idée, là, l'histoire que j'ai parlé tantôt, que quand j'ai écrit, je me suis relevée le matin, que j'ai fait environ 50 fois, mais que ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille la perte de mémoire. Un jour, on dirait c'est ça, je suis pas capable de la finir. J'ai l'impression que c'est un travail de toute une vie qui fait que je suis pas prête à abandonner le personnage, mais c'est un projet que peut-être éventuellement, si j'ai assez le courage de vous pas partager. Je vais la pousser. Hein? Ben, t'as réussi à me faire pousser à écrire, dans le fond, à me recommencer à écrire. C'est grâce à moi. Vous voyez, sur votre fan. Parce que l'histoire, dans le fond, de Vampire Academy, oui, je l'ai l'idée, mais je l'écris sur mes papiers, mais de là à le publier, c'est autre chose, mais c'est quand même grâce à ma fille qui a fait, ah ouais, publie, puis on verra ce que ça va donner. Sauf que tous ses fans qui lui chiolent après, puis elle republie pas. C'est rendu à combien, là? Je sais plus, pas mal. En tout cas, vous irez checker, vous irez voir vous-même. Mais oui, je vous le promets, parce que pour mes fans de Wattpad, c'est oui, j'avais continué Vampire Academy, inquiétez-vous pas, c'est juste que je suis tellement sur plein de projets en même temps, ça n'est même plus drôle. Puis, pour pas être assez, comme ma fille a dit, ben, j'ai décidé de retourner à l'école, puis de me lancer justement dans littérature française anglaise, puis la scénarisation. Fait que je devrais avoir encore plus d'outils pour pouvoir poursuivre. Trois bacs en même temps. Hein? J'ai dit trois bacs en même temps. Ah, j'aime. T'as mis les études. Jamais, oui. Jamais étudié, mais je pense que c'est juste le fait qu'il faut juste pas abandonner ses rêves puis qu'il est jamais trop tard. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que je suis son exemple. Fais quoi? Je suis ton exemple. Oui. Les études, c'est important, guys. Et non, mais pareil. C'est difficile de faire des choix en plus. Je te comprends de faire autant d'études. Ouais, mais en tout cas. Tout ça pour dire que dans toute notre vie légèrement mouvementée, oui, un petit peu. Il faut quand même parler un petit peu sur le fait pourquoi qu'on est arrivé au podcast, parce que oui, il y a encore une histoire là-dessus. Storytime! Parce que, storytime. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Teen Wolf venait de terminer la dernière saison, en fait. La dernière émission, on venait de l'écouter. On venait tout juste de l'écouter. Moi, j'étais encore dans le... Non, moi, j'étais triste. J'ai pas pensé à autre chose. Moi, j'arrête pas de chialer après la TV parce que... Ouais, vraiment. Ma fille va le dire, oui, j'arrête pas de chialer. Mais moi, je suis toujours là. Mais pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Puis là, je suis tellement dedans que je crie après les personnages. Puis là, c'est traumatisant, OK? Genre, je veux plus être tout seul dans la même pièce qu'elle. Moi, ouais, je suis vraiment dedans. Mais je sais, dans le fond, les personnages, on s'entend tout que c'est sûr qu'ils comprennent pas. Non, mais c'est plus fort que moi. Faut que je chiale après les autres. Non, c'est mal. Tu fais pas ça. C'est pas bien. Oui, je sais, je devais. En tout cas, vas-y, je te laisse compter cette partie-là. Bref, story time. J'étais chez mon amie Léa, notre voisine. On est tout le temps ici, puis je suis tout le temps chez elle. En gros, nous, on a comme des codes de toc-toc-toc, puis on rentre. Puis c'est ça. On a juste entendu ça, puis on a vu ma mère rentrer dans l'appart en furie. Oh mon dieu, là, pour que je chiale, blablabla. Puis on s'est juste regardé, mon ami Pimon, qu'on a fait comme, qu'est-ce qu'elle parle encore? Finalement, je l'ai suivi, parce que, c'est l'heure du souper. On est redevenu au calme. Bon, c'est l'heure du souper, d'accord? Non, je pense que t'avais juste le choix. Non, en fait, ouais, c'est bon, je me souviens encore, guys, sérieusement, j'étais réellement intense. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais là, on arrive à peine, là, la porte vient d'être fermée. Non, mais là, je suis tannée! Oh, j'ai une idée, mais je suis tannée! Et tu sais, je parlais en moitié anglais, moitié français, moitié alien. Ça, c'est vraiment rendu ça. Moi, je comprenais rien de ce qu'elle me disait. Je disais, encore, calme-toi, respire par le nez puis par la bouche. Bois un verre d'eau. Écoute ta petite musique au calme, sur le divan. Calme-toi, OK? Merci.
Mais elle m'a juste pas du tout écouté. Vraiment juste. J'écoute de toute façon. Ouais. Ben, on est pareil. On a deux têtes de mule, puis on s'écoute pas plus. C'est vrai. On a deux vraies têtes de mule. C'est peut-être pour ça que... Je suis déterminée. C'est okay. Drôle que vous me voyez pas. Je fais plein de musique et vous, vous le remarquez juste pas. Mais bon, en tout cas, peut-être un jour. Dans un jour lointain. Je suis vraiment découragée. Non, ok, vas-y, go. Mais oui, finalement, elle a fini par m'expliquer un jour, de façon calme, genre 100 ans plus tard. En gros, qu'elle voulait faire un podcast l'adulte dit de l'adolescent. Ouais, parce que en me promenant sur les réseaux sociaux, sur Tumblr, et mon Dieu Seigneur, je m'en souviens encore, j'ai découvert un petit peu peut-être en retard, mais je pense que ça fait quand même quelques années que les podcasts existent, mais bon, c'est sûr que... Moi, je savais juste c'était quoi, hein? Non. Non, ben, c'est sûr, je dis, il y a des... Quand on fouille sur Internet, des fois, c'est ça, si on connaît pas la chose, puis c'est... Je pense que c'est pas aussi peut-être développé qu'on le pense, mais bon, j'avais entendu parler, je n'avais écouté un ou deux, je me souviens plus malheureusement. C'est quoi le nom des filles qui faisaient le podcast, mais j'ai trouvé l'idée bonne, puis justement parce que on a beau que Teen Wolf soit terminé, mais on se rend compte sans aucun doute que le fandom will ever rise. Je pense que on n'est pas prête de lâcher nos personnages, puis c'est très bien comme ça. Puis justement, c'est ça pour l'idée de podcast, c'est venu. Vas-y, c'est vrai, je t'ai coupé encore, m'excuse. Ouais, là, t'as comme fini la story time, là, hein, mais ben, l'idée... Non, non, ben, c'est ça, l'idée de l'adolescente. Mais finalement, on a juste fait d'accord. Puis j'ai décidé que j'allais le faire avec elle. Puis là, on a pensé à inviter du monde, justement. Mmh. Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, comme on l'avait dit avant, on voulait pouvoir parler de Teen Wolf parce que c'est important. c'est beau écrire, mais c'est ça. Je pense que c'est le fun de pouvoir en discuter. Fait que j'ai dit, pourquoi pas qu'on pourrait repartir les émissions de A à Z, puis justement, comme on dit, le point de vue de voir l'adolescente versus ce que l'adulte va voir quand on écoute l'émission, puis c'est sûr que moi, j'aime certains personnages, elle, un peu moins, qui vont moins l'intéresser, fait que je trouve ça intéressant, puis au moins, ben c'est une façon à nous de faire partager notre passion. Puis de jouer une fois par semaine. Donc, on réussit, mais au moins que... Notre façon à nous de faire en sorte que Teen Wolf s'en va pas dans l'oubli. Oui, reste dans notre cœur. Fait que oui, comme elle dit, on va avoir des idées, je pense qu'on... Pas des idées, mais des invités. Comme on l'avait mentionné, il va avoir des amis de son côté. Du mien, il va en avoir aussi. Puis on va pouvoir parler de nos chères émissions. Mais avant tout, je pense qu'on l'avait dit au début, il y a tellement de choses qui se sont passées, autant comiques, comme j'ai dit le matin quand je regarde sur les Tumblr ou sur Instagram, les affaires sont passées. Je trouvais ça peut-être intéressant de prendre quelques minutes pour en parler. Puis de finir sur le WolfCon, en fait, qui s'est passé en septembre. Je pense que ça m'a donné encore plus le goût justement de faire les podcasts avec ce qui s'est passé. J'ai ragé pendant des semaines. Je pense que le monde va déjà savoir aussi que j'en parle là, sur de Tyler puis Holland qui ont fait le Wolf. Comme je sais qu'il y avait les jumeaux aussi, mais plus important sur ceux-là. Mais on va finir avec ça parce qu'il y a d'autres petites choses qu'on voulait mentionner qu'on avait bien ri puis que j'ai montré des petits points que j'avais montré à ma fille puis je vais en parler puis je pense que les images me reviennent encore. Il y avait des affaires que je savais déjà. Ok, je te rappelle que je suis une stalker professionnelle. Ah oui, c'est vrai. Fait que peu importe stalkers ou pas, je pense que t'étais vraiment traumatisée autant que pas traumatisée, mais je pense que tu t'en attendais pas quand je t'ai montré la vidéo. Je vais me venger. En fait, ça a rapport avec Colton, notre cher Colton que nous adorons. Je vais me venger. De son party d'Halloween, je suis sûre que le monde... Ok, ça fait un petit bout, mais quand même, je pense que... Je vais juste en parler, puis je risque. À vous! Je vais me venger. J'ai montré à ma fille... son déguisement, parce que cette année, c'est déguisé en merch. Attends, mais faut les mettre dans le contexte, là. C'était un matin. Je venais de me réveiller, ok? Moi, là, ça allait bien, là. C'était ma journée, grosse matinée, ok?
me fait réveiller par une petite folle qui veut me montrer quelque chose de weird pis elle m'a juste traumatisé la vie, ok? J'avais goût de pleurer tellement j'avais peur. Ok, j'exagère, là, mais... Bon, hey, non, écoute. Mais il était hot. C'est la vidéo que je parle, je vais essayer de la retrouver au pire, j'essaierai de trouver un moyen au pire de l'envoyer en lien, mais je sens que le monde l'a vu de toute façon. Quand t'es déguisé en March pis dans cette piscine pis t'es en train de danser, écoute, c'était assez mourant. T'as du twerk. Oui, c'est ça. C'est ça, je cherchais. J'ai trouvé le mot. J'ai cherché le mot. Twerk. Mais c'était vraiment, vraiment drôle. Mais tout ça pour dire que, lui, là, je pense que vraiment, l'Halloween, c'est quelque chose d'important. Mais tout ça pour dire, je suis sûre que je recevrai une invitation puisque la première à courir, ces parties ont l'air débiles. Sérieusement. Vraiment. Puis le maquillage, je tiens à préciser, round of applause parce que sérieusement, ah non, à vous, le costume, il est là, pareil, là. Ok, c'est bon. Pour en venir aussi à son mariage, à ça par exemple, j'ai versé quelques larmes. Veux-tu bien me donner mon crayon? On va juste parler à plat. Non, mais le mariage, qu'est-ce que t'en penses? Avoue que c'était beau. Ouais, c'était vraiment beau. Mais ça, ça m'a détraumatisé, mettons. Mais il y a quand même eu un vent de folie à savoir. Mais il aidait en plus son mariage, ça fallait que je précise, désolée. Ça, c'est... Mmh. Il a aidé au mariage, ça, je voulais juste le préciser. Ben, tout le monde aide son propre mariage. Non, mais tu sais, c'est une, je sais pas, c'est une célébrité, il fait plein d'affaires en même temps, ça m'a juste étonné qu'il a pris le temps dans son horaire chargé de faire ça. Ouais, mais c'est parce qu'il fait, à l'époque, il tournait le film avec Tyler, c'était quoi, Bigger, qui tournait, puis dans le fond, j'imagine que les producteurs, ils ont laissé un jeu pour se marier, on s'entend dessus. Mais je me souviens encore du buzz qu'il y a eu en entour de ça, le monde se demandait, il est où Tyler, pis tatata, comment ça se fait qu'il va pas au mariage? Moi, je m'en souviens comme c'était hier, je regardais sur Tumblr pis tous les messages, le monde qui essayait de trouver les vidéos, là, quand ils ont vu Dylan, c'était l'apocalypse, mon Dieu Seigneur. Mais ça, c'est un des buzz que j'ai bien adoré. Mais tout ça pour dire que, félicitations, cher Colton, tous mes vœux de bonheur, même si tu m'entendras pas, mais c'est pas grave. Si jamais, peut-être qu'on va devenir des célébrités. Eh, mon Dieu, que tu te crois. Mais, en tout cas, oui. Il faut avoir des rêves dans la vie. D'accord. Et, en mentionnant Tyler, il faut quand même souligner, là, on sait sûr qu'on a dépassé, mais le 50 000 sur AO3 d'Hysteric. Yes, round of applause. Yeah, I'm so proud. I'm really proud of what we did. Mais c'est une fierté juste de savoir autant de monde qui ont participé à ça. Moi je suis fière de ça, c'est ça, je trouve ça inspirant. Oui, parce qu'on s'entend que c'est quand même ils ont l'imagination là, pareil. Hein? Ils ont l'imagination. Oui, mais que le fait que ça soit sur Steric, parce qu'on a beau regarder partout. Bon, je pense que vous venez de comprendre que je suis une fan finie de Steric, mais tout ça pour dire forcément. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un couple qui a fait en sorte 50 000, c'est quand même pas rien. C'est sur un sujet, moi, puis genre j'y ai participé. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis aussi investie. Je dis pas que les autres histoires sont mauvaises. On s'entend que j'étais allée voir aussi. J'étais investie autant dans Chris puis mon cher Peter. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah, ok, je pensais que tu allais me dire quelque chose. En fond, je t'ai investi dans plusieurs couples en même temps, mais Steric reste en premier dans mon cœur, tout ça pour dire ça. Je voulais juste dire un petit merci, puis il faut continuer, on n'abandonne pas, on a vraiment dépassé depuis le temps. Qui sait, peut-être qu'on va se rendre à notre cher 75 000 bientôt. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Pourquoi pas 100 000 à la place? On vise encore plus haut. 1 million! Eh mon Dieu, là, tu crois trop dans tes rêves? Ben, si on en écrit chacune 100, ça devrait aller. Ouais. Ben là, on peut-tu commencer une à la fois? J'ai même pas eu le temps de finir la mienne. Mon Dieu, parce que j'ai dit, écrit trop d'histoires en même temps. Oui, j'ai écrit trop d'histoires en même temps. Arrête, c'est mal. Oui, mais c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais investie dans toutes les coupes que... qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire, autant que... Comme tu l'as dit tantôt, dans le fond, genre, hein? Zoé, Dimitri,
Oui, Raphaël, Malek. Un petit peu les personnages qui sont un peu underground, qui vont vraiment sortir, c'est eux autres qui vont m'attirer, puis que là, j'aurai plein d'idées sur eux autres. Fait que, puis là, ben évidemment, étant donné que je pense que vous avez compris, j'étais un petit peu un artiste, je touche un petit peu à tout, ben là, j'ai comme une idée qui me pop-up, là, je veux faire une vidéo, puis là, je veux faire ci, puis je veux faire ça, puis bon, finalement, j'ai pas le temps de tout terminer, mais j'ai une tête de bulle, fait que oui, je vais les finir, inquiétez-vous pas. Ça, pour en venir au prochain... potin, buzz, comment dire, de même moi là-dessus, j'avoue honnêtement que je suis mêlée, mais pas à peu près, sur notre cher Tyler, et la chère Monica, que la chère mannequin, en tout cas, peu importe, de chez notre mannequin dont tu m'as tout mélangé puis que je comprends plus l'histoire, parce mais que je vous préviens, vous allez rien comprendre. Ben non, mais même non, moi, je suis un peu mêlée. Je suis allée un petit peu sur Tumblr, ben, en fait, comme tout le monde, c'est sûr que je suis curieuse, je veux voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais là, je comprends même pas. Ils se sont rencontrés à quelque part, là, tout d'un coup, elle arrive nowhere, elle va passer Noël avec lui. Après ça, whoop, elle disparaît, non, elle est encore là. Là, elle se retrouve dans un club, elle se cache pour faire les photos. Et à un moment donné, là, récemment, de ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure, il a liké une de ses photos, genre, date de 3 ans, mais c'est n'importe quoi. Sérieusement, le grand, là, regarde. Tu peux-tu juste t'assumer un jour puis arrêter? Parce que je comprends rien. Tu sors avec, tu sors pas avec, mais ça me semble pas compliqué. Ce que je trouve juste dommage, c'est que j'étais allée voir, j'ai passé des commentaires, j'ai discuté avec certaines fans. Puis honnêtement, j'ai plus l'impression qu'elle a l'air de servir du statut qui est, parce qu'on s'entend, il fait beaucoup de films maintenant, de plus en plus. Mais ça reste que c'est pas la carrière du gros acteur qui a fait 50 ans. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle se sert de lui pour, je ne sais pas, aucune raison, parce que les photos qu'on a vues, le peu de vidéos qu'on a vues déjà en partant sur eux autres, mais peut-être que ça a l'air, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. C'est peut-être pas elle, étranger. C'est peut-être pas elle qu'elle essaye d'aider. On ne sait pas. Qu'elle essaye d'aider? Non, mais tu sais, je veux dire, peut-être que c'est pas elle-même qu'elle essaye d'aider. Mais tu veux qu'elle aide quoi? Ah, on sait pas. Non, non. Mais écoute, c'est une top modèle qui est quoi née à Sydney ou je sais pas trop dans un plus loin, qui essaie de faire une deuxième carrière ou propulser sa carrière aux États-Unis. Ok, t'as le droit, ma grande. Mais ça va changer quoi? Tu sais, c'est pas malsain, mais c'est intelligent. Oui, mais c'est très intelligent. Je sais pas, tu laisses des insights comme si tu sortais avec la personne, mais vous avez l'air de deux étrangers complètement. T'as l'air, il a l'air à s'en contre-foutre. Au point qu'ils sont peut-être juste amis aussi, pis qu'ils ont juste, ils font ça pour se faire foutre la paix, je sais pas. Ouais, mais ça reste quand même un boss, ça reste ok, pis moi, on s'entend-tu que je suis une femme finie de... Tu veux le dire? Tu veux que je le dise? Faut que je le dise. Ok, bon, j'espère secrètement qu'il va vraiment s'assumer un jour puis qu'il sorte avec de la... Ben bon, ça, c'est mon point de vue. Bon, ben, peut-être qu'au fond, pour te faire plaisir, je dis ça. Et faire plaisir à plusieurs personnes en même temps. Que dans le fond, Monica est là pour cacher sa véritable identité. Ben, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Écoute, il est pas mal plus friendly avec tout son monde autour qu'il peut l'être avec elle. Fait que ça n'a qu'une tête, mais bon. Ça pour dire que ça fait quand même un gros, gros buzz du moment. En même temps que notre cher Dylan, qui est en train de promouvoir... Ben, là, il vient de revenir, là, mais qui venait de promouvoir son troisième film. Oui, vas-y, je te laisse. Parlons de Fifty Shades, maintenant. Fifty Shades? J'ai envie de parler de Dylan, mon Dieu, je te laisse la place. Ah, je pensais que tu parlais de l'autre film, moi. Avec Tyler, là, tu m'as tout mélangé, là. Non. Bon, ben, il y a deux films de lesquels on va vous parler. Wouh! J'ai tellement ma section à moi, ok? Moi, je suis l'experte en film. Ben, bon, c'est lui aussi, là. Mais j'aime beaucoup les films. Beaucoup. Parce que les films, c'est les films, hein. C'est la vie. Point! D'exclamation. Ah, right, bon. Ben, là, puisque toi, tu veux qu'on parle de Dylan, on va parler de Dylan. Oui, c'est quand même le buzz du moment, hein. C'est Dylan, son film, bah. Ben, comme vous le savez, sans doute, il y a, à part Teen Wolf, il a joué dans le Labyrinthe 1 et 2, qui est, dans le fond, il joue Thomas, qui est le personnage principal. Ben bon, personnage principal. Il y a d'autres personnages quand même relativement importants autour, mais bon, sinon, ça fait... Dylan. Ok, tu me laisses parler du film. Fait que là, il va prendre...
OK. Et moi, je la coupe pas, hein, mais c'est elle qui me coupe tout le temps. OK, bon, il y en a un troisième, le labyrinthe, le remède mortel. Dans le fond, en ce moment, ben, je pense qu'il est encore à Séoul, en ce moment. Non, il vient de revenir. Ah, il vient de revenir de Séoul. Ouais. Oui, parce que là, ça, c'est le buzz par rapport... Parce que ça, on s'entend, le labyrinthe, c'est le meilleur film ever, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le troisième. Puis sincèrement, je vais vous dire quelque chose, là. J'ai plus l'impression qu'ils vont tous crever. Sérieux, là, dans l'annonce, là, moi, ça ressemble à ça. T'as pas lu les livres, toi, c'est ça? Non, j'ai lu un peu, mais j'ai pas tout fini encore la série. Mais il faudrait que je les finisse avant que le troisième sorte. Ça serait une idée. Maintenant. Mais puis la vidéo aussi que je te montre. Attends, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi je crois qu'ils vont tous mourir? Parce que dans l'annonce, il y a la vieille madame gossante que j'haïs qui arrive puis qui dit « Il va falloir que tu choisisses. » Bon, c'est pas tout de même qu'elle dit, là, mais moi je le donnais avec plus d'intonation. C'est ça qui nous sauve tous! C'est ça qui nous sauve, tes amis! Fait que oui, dans le fond, dans moi... C'est justement l'annonce pour vous faire réagir, puis ça fonctionne. Mais c'est ça, ils vont tous crever pareil. Non, c'est de l'année, il peut pas mourir. C'est Mitch! Bon, ben c'est le seul qui va survivre. Non, mais sincèrement, bon, c'était mon avis. Bon, ils vont peut-être pas tout mourir, là, mais... Mais non, il va ça survivre. Ressemble à ça. C'est 16. Mais oui, bon, arrête. Ok, arrête, là! Bon! Ok, fait que là, ils faisaient la promo à Séoul pour leur troisième film. Là, il y a eu une vidéo buzz. Je suis sûre que vous avez vu. Ben, c'est pas grand chose, mais moi j'ai. On m'a montré ça, puis je me suis juste parce qu'elle est encore plus soqueuse que moi, puis ça m'a juste traumatisée. Ouais, mais il est apparu. Mais j'aurais sans doute tombé dessus un moment ou un autre, là, mais sérieux, là. Dans le fond, on voit des acteurs du film Le Labyrinthe qui se touchent les fesses. Ah, c'est Dylan. C'est Dylan. Ben, c'est Dylan, mais. C'est Stiles. Mais c'est juste niaiseux. Vous irez voir, vous voyez. Ça fait la foule en arrière. ça crie. Moi, je suis comme, bon, d'accord, c'est bien. Vous êtes juste toutes des folles, mais c'est bien. Bon, ce sont pas des folles, là, mais... Pas en toutes. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui disent, regarde, moi, je prendrais la place de l'autre suite. Mais bon, OK. Prochain buzz. J'ai vraiment hâte juste de dire le titre. Moi, je suis, wouh, tiens. C'est-tu enfin mon deuxième film, là, que je t'ai censé parler? Mon film. Puis en passant, c'est le troisième. Bon, OK, encore... Fifty Shades! Arrête-tu, elle m'a coupé! Bon, là, on est rendu, bien sûr, comme avant qu'elle le dise. Hein? Bon, putain, c'est... Bon. À Fifty Shades of Grey 3. Parce que... J'ai tué. Parce que notre beau Tyler joue. Bon, Tyler. Bon, ton beau Tyler. Le Tyler Allen. Fallait préciser. oui, il joue dans ce film-là. Mais dans la question qui est-ce qu'il y a une grande place sincèrement dans ce film? Ah, parce que dans l'annonce, si vous êtes bien attentive, parce que moi, ça m'a pris une couple de fois avant de le remarquer, là, il est en arrière d'Anna à un moment donné quand ils sont en train de parler. Voilà. Mais c'est tout ce que tu vois. Tu vois genre 2 secondes, mais c'est pas grave. Mais c'est facile de reconnaître qu'il est grand, pis il y a des cheveux bruns, pis il est baraqué, tu sais. Non, mais honnêtement, il y a juste... Ça, je pense que je t'en ai fait mention. C'est sûr que là, il prend le nom de Boy Fox. Ouais, Boy Fox. Un auteur que Anna... Elle va publier. Auteur, dans le fond, qu'elle va publier. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai su que tout à l'heure, elle allait jouer, moi, je suis là... OK, garde, bon, on s'en... Tu sais, il va jouer un bodyguard, on en fait le même. Mais non! Il joue l'auteur! Ça a tellement pas... En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir, mon n'importe quoi. Dans mais... Je suis contente, là. Je suis vraiment contente pour lui. Mais sérieusement, cette boîte-là, je m'en attendais pas. Et je me demande vraiment s'il va vraiment... S'il va comme avoir un rôle aussi important, sincèrement, là. Ben... De toute façon, le nom de Boy Fox, il était mentionné dans le deuxième livre à quelques reprises. Puis dans le deuxième film. C'est ça, j'ai dit, dans le deuxième film, il était mentionné. Mais c'est dans le deuxième livre. Ah, deuxième livre. Dans le deuxième film, parce que je passe à d'autres choses en même temps, il était mentionné. Fait que ça reste à voir. En tout cas, c'est quand même un peu. Il faut qu'il y ait un gros rôle, c'est sûr. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi, c'est vrai? T'avais une note, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui. La 800e fois rupture de 800e fois. Et sa copine. Ah non, mais écoute, à toi et moi, si on écoute, dans le fond, il est toujours en train de courir après sa belle. Courir après sa belle, mon Dieu, il est jamais là! C'est ça, j'avoue que, on me dirait le matin, OK, c'est vraiment officiel, il est plus avec, puis je serais, ah, OK.
parce que elle est vraiment là, j'avoue ça, il fait des affaires de son bord, elle fait des affaires de son bord, elle a comme ses amis, il a pas de l'air à se mêler à ses amis, en tout cas, j'avoue lui non plus sa relation. Mais tu sais, ça se peut aussi qu'il veuille juste, qu'il voulait juste pas montrer leur relation, il faisait attention pour pas qu'elle soit comme publiée sur toute façon de même. Ouais, mais c'est une actrice. Elle est quand même dans le monde du showbiz, elle aussi. Non, je sais, mais c'est pour ça que je te dis, ça arrange pour être caché, ça se peut. La série Secret Circle que j'ai écoutée, moi, que j'ai vraiment aimé, j'étais vraiment déçue que ça continue pas, mais moi, j'ai aimé la série. C'est pas une mauvaise actrice, là, puis elle est jolie, puis tout, mais ce que je comprends pas, c'est que il est toujours à l'autre bout de la planète, puis il est toujours à l'autre bout de la planète. J'ai l'impression là, qu'il se voit pas pendant 6 mois, puis ça a l'air vraiment pas grave. Non, il se passe sans doute comme ça. Oui, mais bordel, me semble, quand t'aimes quelqu'un, me semble que tu passes pas 6 mois à l'autre bout, puis t'as l'impression que... Ouais, leur carrière passe en priorité. Hein? Leur carrière passe en priorité. Ouais, ben rendu jusqu'à là, ça a l'air plus des amis que d'autres choses, mais c'est sa vie, c'est correct, je le respecte. Moi, je trouve ça juste weird, puis après ça... On se demande pourquoi qu'à tous les mois, il y a la nouvelle qui fait qu'il est plus avec, mais ça, à un moment donné, c'est ça que je dis. À force qu'il va arriver, si ça arrive pour de vrai, ou c'est peut-être même déjà le cas, je serais vraiment pas surprise. Mais oui, ça c'est Devin. Pour en venir, Devin, c'est Devin. Pour en venir aussi, les photos que je t'ai montrées, justement, que j'ai... Oui, sur le bar de promo. Son bal. Ben, il était cute. Il était tellement cute. Puis là, ma mère veut faire une mention spéciale. Hein. On le sait toutes. Du beau petit faux cavalier. Ah, ben c'est faux cavalier. Il est avec. C'est un ami d'enfance. Mais c'est il est cute, lui. C'est pas la montée des photos. Les photos sont là depuis quand même un petit bout. Malgré que moi, j'en ai découvert d'autres récemment avec les photographies d'un bras de son meilleur ami, j'imagine. Là. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça, les cavaliers, moi, j'appelle même. Ah, les photos sont vraiment belles. Je vais essayer justement de poster le lien là-dessus pour ceux qui l'ont peut-être pas vu encore. Mais, en tout cas, ça veut tout dire. Et je t'avoue que sur le coup, je fais, hein? Ah, ok. C'est pas un beau couple. Mais c'est pas un couple. Hein? Mais c'est pas un couple. C'est pas. On sait pas jamais. Et oui. Faut tout le temps que t'aies raison. Je sais que t'allais dire. Non, moi, je suis extrêmement observatrice. J'ai appris avec le temps, je pense, à lire... T'as screené avec les autres parce que tu vois... Non, c'est pas tout, j'allais dire. À lire le non-verbal, à lire le langage du corps, puis c'est rare, honnêtement, que je me trompe. Mais bon, je me laisse une petite réverse, puis on verra. Qui sait, un jour, mais j'espère. Anyway, pour en venir... à mon couple préféré de l'heure, malgré que c'était un crève dans mon cœur. Ok, oui, c'est toutes mes couples de l'heure, là. Mais eux autres, j'ai un petit gros faible sur JR et Yann qui font mes journées. Malheureusement, je trouve ça juste de valeur qu'ils posent pas des vidéos à tous les jours parce que... C'est un show. À vous, ben oui, c'est un show. c'est un show. Mais ils vont tellement bien ensemble. Je suis tellement contente que la vie ait fait en sorte qu'ils ont pu se rencontrer. Je pense justement c'est à cause de Teen Wolf, là. Mais ils sont inséparables, puis c'est ça. Mais je sais pas si vous l'avez Non, pour m'emmener aux vidéos que GR, dans le fond, il a posté récemment qui est allé dans un club. Je commence déjà à rire parce que j'ai l'image du gars déguisé en je sais pas trop qui chante du country en arrière, c'est n'importe quoi. Puis les deux qui se regardent en mode « qu'est-ce qui se passe? » Et t'as l'un qui est en arrière pis qui fait sa danse que « mon Dieu Seigneur, j'espère qu'un jour on va prendre des cours de danse parce que il a l'air tellement épais en arrière. » Avec et Monica qui apparaît nowhere. Qui apparaît nowhere pis qui fait « oh shit, je suis en train de me faire filmer » fait qu'elle se pitch à terre pis qu'elle a l'air vraiment d'une débile, mais c'est correct. Mais ça me fait penser au fait qu'elle a s'est pitchée plus vite que que Tyler. Non, mais Tyler, il a juste l'air saoul pis il dit « Oups, je viens de me faire filmer. Ah, c'est pas grave. » Pis genre « Salut. » Je suis là. Mais bon, tout ça pour en venir à JR pis Boubou sont inséparables pis en tout cas. C'est des meilleurs amis. Je trouve ça juste de valeur qu'ils fait plus assez de Facebook Live. je suis une fan finie de leur Facebook Live. Mais c'est correct. La preuve sur YouTube, là, il y a juste ça. Hein? Sur YouTube, sur mon, historique, là, pis nos, ah oui. Il y a juste ça, des vidéos d'eux. Non, mais ils ont une façon, je sais pas, tu sais, quand t'as l'impression qu'on dit souvent, tu parles sans se parler, c'est vraiment ça. Ils se regardent pis on dirait qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont dire.
leur magie, autant que, comme j'ai toujours dit, ce qui me fascine beaucoup sur Sterex, c'est que ils ont un bouge pas sans l'autre, puis ça a l'air d'être complètement inconscient, autant que la chimie est énorme avec Dylan puis Tyler. Je trouve que c'est exactement la même chose avec GR puis Yann, puis bon, c'est ça. J'en dirai pas trop parce que mais si je continue... Je voulais faire une mention spéciale au fait qu'ils étaient ensemble une journée, puis que Monica qui s'est pitchée à terre nowhere, puis que juste un qui danse mal. Voilà! Faut que je parle de Bob Ward. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est juste chialer après des moments, puis dire notre avis en parenthèse. C'est les buzz du moment, je pense qu'on a juste le mentionné. Mais on a juste nommé les buzz du moment. Hein? On a juste nommé les buzz du moment. Ouais, ben avoue que ça l'a fait quand même nos journées un petit peu. Ouais, ça a rendu nos journées plus incroyables. Les acteurs de Teen Wolf nous descendront plus jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'était beau ça. C'est moi qui dis des phrases incroyables. D'accord. Mais... Où c'est qu'on est rendu, c'est vrai, parce que là, on commence à parler, on finira plus, on en va jusqu'à demain matin. Mais le bout important, je pense qu'il va falloir faire mention avant qu'on parte justement la première saison. Puis je pense qu'on l'a mentionné tantôt, oui, c'était... Le Werewolf Con, justement, qui a été fait récemment, je pense que si je me souviens bien, au mois de septembre, si je me souviens bien, j'aurais dû marquer la date malheureusement, mais il y a eu beaucoup de comment j'essaie de me souvenir en même temps, puis j'y arrive pas malheureusement, mais bon, je pense que ça a été fait au mois de septembre. Il me semble. Les vidéos, de toute façon, ils ont fait fureur, justement, sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, sur quelque chose en particulier, puis comme je l'ai dit tantôt, je suis sûre que vous savez de quoi que je parle, mais juste avant, je pense que je tiens à faire un lien avec une entrevue qui s'est passée il y a quelques années, en compagnie, justement, Tara était là, il y avait Holland qui était là, et le cher foutu... J'ose pas le dire, parce que... Dis-le, allez! Le cher foutu! Je m'excuse, guys, pour ceux qui l'aiment. Je vous respecte, mais bordel, des fois, qu'il y a l'air de... Bon, en fait, si vous l'aimez, attendez-vous jusqu'à barge après 24 heures sur 24. Quoi? Mais tu fais juste chialer après lui. Non, mais c'est un imbécile. Je m'excuse. Non, oui. Pour cette entrevue-là, je m'excuse. Puis quand ça s'est passé, puis on en parle encore aujourd'hui, je peux pas croire qu'il ait pu dire ça. Pis bordel, Tyler, il était juste à côté, pis Holland le regarde en me disant, tu vraiment dire ça, le grand, là? Bon, là, il se fout de quoi il parle, là. Faut que tu leur expliques. Ah ouais, lis. Bon. En tout cas, comme je disais, c'est une entrevue qu'ils ont faite, je pense, pour pouvoir, si je me souviens bien, la troisième saison. Ouais. C'est ça, hein, je pense que c'est ça. Qu'elle allait faire la première saison. C'est ça. Pis, la personne qui fait l'entrevue pose une question. C'est Tyler Tyler Pussy. On parle les deux en même temps. Puis qui dit, je vais le dire en anglais pour commencer. Par rapport, je pense, à Sterek. Puis là, il dit, I think Sterek is a bizarre, weird, twisted thing, and I think that anyone who pays more attention to Sterek than the show isn't watching for the right reason, and that's all I've got to say about it. Ça, c'était ce qu'il a dit pratiquement mot pour mot. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, si tu voulais, en passant, on l'avait traduit de toute façon. Oui, on l'avait traduit. C'est « Je pense que Sterek est bizarre, étrange, tordu, et que si les gens portent plus attention à eux qu'à la série, ils ne la regardent pas pour les bonnes raisons. » Fait que ça, c'était son opinion. Le statement de Fossé pendant que Tyler qui est à côté puis Holland. Je m'excuse, mais pour une fan incontestée de Sterek, je me suis sentie... C'est vexant, là. Oui, à vous. Vous ne pouvez pas se cacher. C'est tordu, extrêmement... Tordu. Juste ce mot-là, je pense que c'est le... OK, bizarre, étrange, OK. Mais tordu, ah non, là, je l'ai mal pris, par exemple. Ouais, tordu. On a bien le droit d'écouter la série, qu'est-ce qu'on veut, puis je m'excuse, mais... T'es pas bien placé pour dire quoi que ce soit, là. J'ai jamais dit, puis je tiens à préciser, j'ai jamais dit que la série était vraiment n'importe quoi. Je dis seulement que Jeff a écrit certains épisodes que je trouve
bizarre, honnêtement, que c'est mal enchaîné. C'est ça, c'est mal enchaîné, mais, c'est pas mais mal. Mais ça reste la série, puis j'ai continué à l'écouter. C'est notre série pareil, on l'aime beaucoup pareil. Non, c'est ça. Quelque mais, chose c'est pas un problème. On s'entend que oui, j'ai écouté la série, parce que c'est toujours ça, on écoute une série, on... Pour des raisons, pour les noms, puis c'est personnel. Puis non, non, mais je veux dire, tu sais, quand on a commencé, mettons, Shadowhunter, moi, quand j'ai vu Harry Shum Jr., j'ai fait « Wow, ok, c'est le Magnus, ok. » Puis là, ben, tu sais, je suis tombée en amour avec lui, avec la manière qu'il fait son personnage. Genre, partant, on aimait l'acteur, nous. Oui, oui, mais tu sais, c'est... Je dis pas que j'haïs les autres acteurs, mais je veux dire, Harry fait en sorte que je t'assis... Ok, non, c'est pas vrai. Malek aussi. Malek. Mais tout ça pour dire que je t'assis religieusement devant ma télévision, puis quand il est là, c'est sûr que les yeux viennent pétiller, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, puis quelle niaiserie qu'il va faire. À quel c'est... point qu'elle, elle porte du brillant. Oui, mon brillant. Mais tout ça pour dire, c'est la même chose pour Teen Wolf. Quand j'ai vu Tyler, puis que j'ai vu Dylan, puis moi, on s'entend que ces deux-là, la magie, je l'ai vue pratiquement tout de suite. J'ai fait « Wow! » L'histoire est bonne, c'est sûr que depuis que je suis toute petite, moi j'ai toujours eu une fascination pour les vampires, pour les loups-garous. C'est sûr que la série en tant que telle, pour le surnaturel, mais pour eux autres, surtout en particulier, c'est sûr que ça m'a attiré l'œil. Mais eux autres, ils ont une grande partie qui fait dans mon cœur que j'ai continué à les écouter. Puis à chaque fois que je les voyais, puis mon Dieu Seigneur, je sautais sur mon divan, puis j'étais super contente de les voir. Fait que tout ça, je me suis sentie personnellement visée puis vexée par rapport à ça. Puis il s'est jamais excusé. On s'entend, là. Non, il s'est jamais. Ben, c'est excusé, c'est en privé et non en public. C'est comme, dans le fond, tu en fais dire quelque chose, puis t'as ton... Nami, que, à ce moment-là, ben, je pense qu'ils vivaient plus ensemble, là. Mais il y a été un bout où que les deux Tyler pis Dylan habitaient dans le même appartement pour le tournage des saisons. Pis c'est ton chum, pis t'es en train de le blaster carrément. Il est à côté de toi, là. Pis tu te rends même pas compte de ce que tu dis, ou si tu t'en rends compte, c'est encore pire. Je m'excuse. Mais, tu sais, si mettons, ok, tu l'as fait inconsciemment, tu voulais dire quelque chose, ça n'a pas sorti de même, peu importe. D'après moi, c'est juste qu'il était jaloux, mais même là, comme, oui, mais là, garde ta jalousie pour toi. What the hell? T'as beau avoir le premier rôle, garde, excuse-moi, mais ça arrive que, il y a toujours du monde qui va être meilleur que toi, puis il y a toujours du monde qui va être plus pire que toi. C'est ça, c'est juste que souvent, il y a du monde qui prépare les personnages secondaires faux. Hein? Souvent, c'est pas le problème, c'est que, qui se croit la célébrité, c'est souvent ou qu'ils sont meilleurs que lui. Bon, c'est vrai, on va se le dire pareil. Mais je veux dire que, généralement, les gens vont se sentir plus attirés par des personnages secondaires, je trouve. Des gens en partant. Mais puis, en tout cas... Ils se sentent vexés par quoi? Tu sais, tout le monde a un personnage qu'ils aiment plus. C'est juste ça, c'est con. Je pense que t'as raison là-dessus. C'est vraiment... Probablement, la jalousie a pris le dessus. Puis... J'ai quand même aimé la façon que Tyler Hoechlin a renversé la situation. Tu sais, il a comme contourné en parlant antithèse, puis là il disait que c'est devenu plus des partners in crime, puis que il va être plus Ruby Mulcherson concerned about it. Je me sais plus comment vraiment le dire en français là, mais calme-moi pas de même. Hein? Toi et toi. Non mais en voulant dire, tu sais, qu'ils se sont rapprochés avec. En parenthèse, les dernières années, quand ils ont évolué ensemble. Ils sont devenus des très amis. Ouais, ben, c'est ça, il va plus s'inquiéter à son sujet, bon, c'est ça. Mais, tu sais, il a comme renversé ça de façon polie, puis j'ai trouvé ça bien. Mais, je pense que, il y a plus de retenue que moi, parce qu'honnêtement, si c'est moi qui aurais été à la place de Tyler Hoechlin, je m'aurais retournée, puis je pense que j'aurais fait une guerre, ou peut-être que ça s'est passé après, mais on le sait pas. Et de là, le WerewolfCon dont on parlait tantôt pour faire le lien avec cette entrevue que je me souviens encore, comme je disais, dont Tyler Hoechlin et Holland. Tyler se fait poser une question et là, j'en parle sous toute réserve parce que j'ai vu les vidéos, ils étaient entrecoupés sur YouTube. Fait que je sais pas si ça a été exactement, c'était quoi la chronologie, mais bon. Là, il arrive, puis j'essaie de le traduire du mieux que je peux.
Mais en gros, il dit, c'est étrange, de temps en temps, je vois quelque chose, dans le fond, des commentaires ou quoi que ce soit, à propos de nous étant anti-Sterak, en parlant de lui et de Dylan. À propos que nous, on voulait pas que le couple, dans le fond, voit le jour. Dit, ouais. C'est contraire, dans le fond, de ce qu'il explique. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, il dit qu'ils ont jamais eu, dans le fond, ils ont jamais eu de problème à lancer un commentaire ou quoi qu'il y avait, pas que ça arrive. Ils voulaient même le rendre réel, ils l'ont oui, ben, c'est dit. Ça. On va en parler juste après. Mais dans son commentaire, c'est ça. Puis il dit, en riant, qu'il se sent flatté, que les gens pensent que les acteurs, ils ont beaucoup de pouvoir à choisir, tu sais, à mettre autant d'enfants sur les scènes. On s'entend. Oui, Dylan, il a souvent fait mention qu'il est quelqu'un qui va improviser sur le moment, qui va probablement changer quelques phrases, mais de là à changer carrément une direction du couple ou quoi que ce soit qui va avoir lieu, ça non. Fait que c'est ça, dans le fond, que Tyler veut mettre en face, comme quoi, dans le fond, peut-être que oui, des fois, les gens ont mal interprété, puis justement, dans le fond, c'est ce qu'il dit là-dedans, que s'il y a quelqu'un qui a pu être offensé sur quelque chose qu'il aurait pu dire, il prend la peine de s'excuser. Et quand j'ai vu cette partie de vidéo-là, j'ai fait « Mon Dieu, merci ». OK, ça veut dire qu'il, probablement peut-être, puis oui, des fois, les fans, on va le prendre à cœur, mais qu'il a pris la peine de dire « Ben, regarde, je vais m'excuser, tout est fini, mais je prends la peine, oui, ça m'a peut-être... je l'ai remarqué que vous avez peut-être été offensé, mais non, c'est vraiment pas... Au moins, je tiens à mettre ça au clair. Puis, et dans le fond, il fait dire que il adore qu'est-ce que nous, on a pu créer en tant que, tu sais, pour nous, Sterak est canon, comme on dit dans notre vocabulaire de fanfiction. Puis moi, je suis la première à défendre, comme je vais dire, puis dans les prochains podcasts, comme quoi que, oui, on va analyser les choses de façon différente, le non-verbal va être analysé de façon différente, mais quand on est autant dedans, puis qu'on prend la peine de regarder, des fois, un geste va vouloir dire pas mal plus que juste « je te touche le dépôt », ça va vouloir dire d'autres choses. Puis, bon, là, je m'égare un petit peu, là. Puis, là, il arrive avec le boom qui dit « Je crois que quelqu'un dans la série aurait possiblement, durant un interview, entre parenthèses l'interview qu'on vient de parler, émis un commentaire qui a été mal fondé, incroyablement mal fondé. » Et là, ça a fait « Boum! Oh my God! » Et là, dans ma tête, moi, ça a fait le hamster, comme on dit, l'expression « ça a roulé à 100 000 à l'heure. Moi, c'est sûr, j'ai fait référence tout de suite à l'interview que j'avais vue. Et moi, dans ma tête, ça a fait comme, OK, ça nous a atteint, cette interview-là, mais lui, ça l'a autant atteint parce que ça s'est passé il y a quelques années. Et on dirait qu'il attendait juste le bon moment, probablement son contrat, où je peux pas, tu sais, je connais pas un petit peu l'univers, je sais pas comment ça fonctionne. Puis je suis certaine que des fois, ils n'ont pas le choix d'agir ou de dire que tu sais ils ont pas vraiment contrôle de tout ce qu'ils doivent faire. Malheureusement, les acteurs, ils ont certains contrats. OK, il faut que tu agisses comme ça, nanana, pour tes fans, pour tes si, je sais pas, là. On fait des allusions. Mais tout ça pour dire que OK, mon contrat est fini, à Star, j'en profite, je me défoule et je vide mon sac. Ça a tellement eu l'air de ça. Et là, ça a fait comme le tour sur Internet. La vidéo a été vue, et tout le monde l'a analysé. Mais on s'entend tous pour dire, there you go, girl. There you go, boy. You made it. J'espère que ça te fait du bien. Et de Lydia, de Holland. Lydia, moi, j'adore Lydia. Que Holland qui était là dans l'entrevue et qui était là, qui fait, et je trouve dans ses yeux, ça va, let's go, vas-y. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement drôle, mais en même temps, ça a fait comme, wow, ok, celle-là, cette bombe-là, je ne m'en attendais pas, mais pas du tout, mais est vraiment appréciée. Et pour ça, Tyler, thank you very much. Oui.
Et autre petite chose pour les, en parlant justement des dos que je disais qui avaient été coupés, j'imagine que vous les avez vus pour certains. Justement, en parlant, en disant que Tyler était pour Steric. Oui, je m'excuse si vous entendez ma chienne gronder en dernière dans le micro. À ce moment, elle est réveillée. Donc, oui, Tyler a essayé d'expliquer que... Les excusez, j'ai vraiment tout essayé en parlant de la scène... la scène coupée, oui, à la toute fin. La sixième saison, la toute dernière, la toute fin, là, quand ils sortent tout le monde de leur voiture, puis que là, dans le fond, tant que tu vois en plan Tyler puis Dylan qui sont ben pas tout à fait proches parce que Scott, il faut qu'il soit là quand c'est pas le temps. Mais dans le fond, ce que Tyler essayait de mentionner, c'est qu'il donnait une petite tape sur la poitrine de Dylan, je sais pas, pour le rapprocher de lui ou quoi que ce soit. Puis dans le fond, ce qu'il disait, il dit, garde, je fais ça, mais je le fais parce que je t'aime. Ça, dans le fond, j'ai tout fait ça, mais c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Puis encore là, quand le monde dit l'émission juste avant, quand il dit si je retourne à Beacon Hills, ça sous-entend que je tu sais, c'est si j'y retournerais, ça serait pour une raison. Puis tout le monde a dit OK, c'est pour ça. Fait qu'on s'entend, mais c'est ça, c'est tout des sous-entendus, mais ça fit avec ce qu'elle essaie de démontrer, puis malheureusement, cette scène-là a été coupée, parce qu'évidemment, Jeff, il fait chier. Quoi, t'as-tu quelque chose à dire contre ça? T'es mieux pas. J'aurais tellement aimé ça avant ce soir-là. C'est pas grand-chose, mais elle savait même pas qu'elle avait été coupée en plus. Oui, c'est le chien, il a dit qu'il savait pas. Pis il disait à chaque fois qu'on faisait la scène, je refaisais exactement le même geste, Dylan avait exactement la même réaction, on était vraiment dedans, pis on se rend compte qu'à toute fin, est coupé. Tu sais, c'est comme pauvre là. Fait que je lève au moins mon chapeau, merci d'avoir essayé, même si ça n'a pas fonctionné. Puis les deux dernières petites, ben pas deux dernières petites choses, je pense que ça va ensemble. Et un moment donné, justement, ils se sont posé la question par rapport au fanfiction. Puis là, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai beau essayer de la réécouter, puis à un moment donné, ils sont en train de s'assassiner dans leur monde. Puis Holland a l'air à dire que Steric a été pris de à cause des fanfictions. Jeff a vu ça, mais là, tu sais, à un moment donné, ils se parlent, puis là, Tyler, ça parle de la scène de Miguel, puis en tout cas, ils ont l'air à... Dans le fond, ce qui est comique, c'est que Holland a l'air à parler de quelque chose, puis Tyler a l'air à parler d'autres choses. Puis les deux sont tout mêlés. Puis là, Tyler, il arrive à faire « OK, viens, on va en parler plus tard, là. » Mais bon, ça fait juste mentionner qu'il y a beau s'assassiner, mais ils ont l'air à connaître quand même le monde de fanfiction. Moi, c'est plus tout simplement ça que j'ai retenu. Puis je vais être « Oh yeah, faut continuer d'écrire, guys. » Ça va plus loin qu'on pense, tant mieux, on est reconnus. Moi, d'après moi, ils doivent quand même lire certaines fanfictions. Ben moi, c'est juste le fait. Puis ça, les fans, je pense que ça fait des années qu'on s'est dit « Ben, garde. » on le sait, malheureusement, même s'il y a des allusions, on le sait qu'on le verra pas de façon vraiment concrète que Steric va être vraiment canon. Fait que fuck, on va faire notre fandom, on va faire nos histoires, puis nous autres, on va le créer, puis on va le mettre que ça existe tout simplement. T'sais, on a fait notre propre monde, on n'a pas attaqué personne, on va dire, on a fait nos propres affaires, puis faites vos choses, puis d'habitude, ça finit là. Moi, c'est la mentalité que j'ai toujours appréciée du monde, du fandom de Steric en tant que tel, c'est que, on n'a pas commencé à chialer, de lui dire de ci, de ça, whatever, on a juste écrit sur les deux personnages, puis d'habitude, ça finit là. Puis, je pense que je vais finir là-dessus, que j'ai trouvé ça aussi, quand même cute. Tout à l'heure, il essaie d'expliquer quelque chose, puis ça finit, dans le fond, il dit, de mon point de vue, Derek, il a pas le droit d'aimer Stiles. Je sais pas vraiment dans quoi sa tête, c'est quoi qu'il veut penser, mais Roland, il répète, mais en secret, en voulant dire, oui, mais il l'aime en secret. Puis, Tyler va répliquer, oui, en secret, oui, j'aime Stiles, Derek aime Stiles. Fait que c'est comme clair comme l'eau roche. OK, regarde, on sait qu'il l'aime, mais ça, c'est parce que, juste de dire comme ça, Tyler, c'est parce que ça fait longtemps qu'on le sait que les deux s'aiment, mais c'est correct de pouvoir le dire de haut voix, oui, c'est vrai,
C'est bon, la ça. Confirmation. La confirmation, mais on le savait déjà depuis un bout. Fait que t'es juste un petit peu en retard, mais c'est correct. There you go. T'es capable. Let's go, il va fort. Fait que je pense que là-dessus, ça clôt le premier podcast. Oui, yeah! Un round of applause. On s'applaudit toutes les deux. J'espère que vous avez apprécié le moment en notre compagnie et que vous n'êtes pas trop découragés de ma fille qui est toujours en train de me couper la parole puis de m'assiner. Et là, qui me regarde, qui sourit puis qui a l'air très contente de sa chatte, mais bon. Ah, c'est drôle. Tu quelque chose à rajouter? Hmm? Je m'aime. Oui, à part que tu t'aimes, que amour, détermination, je sais plus trop ce que tu dis, mais ça sérieusement, guys, je suis découragée. Je suis vraiment découragée. Pour m'adopter. Je t'ai pas mis à l'adoption, non, c'est pas ça que je dis. Bon, tant mieux. Ça veut dire que t'as plus rien à dire. De? Non, non, ça, je veux dire que je vais m'abstenir à dire quelque chose. C'est ça, t'as pas le choix. Donc, c'est surtout ça pour dire que j'espère que vous avez apprécié le moment avec nous. C'est, comme je vais le mentionner à maintes reprises, on aime tout le monde, on fait beaucoup de blagues. C'est avec humour qu'on le fait. On n'a rien contre personne, je vais juste le mentionner. On est juste des fans qui veulent partager notre avis, nos blagues, c'est ça. Notre opinion, mais on s'entend, en toute honnêteté, on aime tout le monde, on n'a rien contre personne. Et ça va nous faire plaisir, s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, de vous répondre. Donnez-nous vos commentaires, vos impressions. On va tenter de vous renvoyer un message le plus tôt rapidement. Et comme on a dit au début, mais allez voir dans nos descriptions de nos comptes pour que ça soit plus adapté pour vous. Gênez-vous pas. Puis d'ici là, ben on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve bientôt, j'espère, beaucoup. j'espère de tout cœur, car moi, j'ai adoré. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça, ne t'inquiète pas. D'accord. Donc, c'était Kitty et Cléo pour le premier podcast des Unique Shippers. À bientôt tout le monde! Bye bye!